Ah, 1989, 1989, et oui mes amis, pour ce stream de 19h, c'est l'année dans laquelle nous allons retourner. On va explorer, je vous le cache pas, un shooter, un de plus. C'est un petit shooter coréen. Oui, il faudrait que je baisse cette formidable musique derrière, mais on y reviendra en fin de stream si vous voulez bien. Pour l'instant, on va juste se balancer ce petit shoot pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez où? Allez où? Allez où? Allez où? Mon fail de démarrage. Je veux mon fail de démarrage. Je l'ai. Quelle bonne nouvelle. Est-ce que je vais être obligé de remettre la musique? Non, quand même pas. Quelle tristesse. Alors, les petits reniflements pendant que ça meuble. Il faut toujours que je me prends le fail. Les petits reniflements que vous pouvez entendre qui ponctueront tout ce stream vous sont offerts par le rhume des foins. Qui, chaque année, vous permet, avec très très peu de choses finalement, de vous amuser à la maison avec des mouchoirs. C'est assez génial. Voilà, ça va beaucoup mieux aller. Oh oui, ça va mieux aller. Alors, nous partons donc en Corée voir si la programmation n'est pas faite avec les pieds en 1987. Ce shoot a des odeurs de... Oh là là, regardez-moi cet effet 3D en 2D. Puis voilà. Je sais pas. Attention, scénario. Alors vous noterez que c'est une femelle qui a fait détonner par accident la bombe qu'il fallait absolument pas toucher. Genre chérie, tu ne touches pas le bouton. Et la femelle étant si bête que forcément si tu lui dis de pas toucher le bouton dans sa tête, son neurone va dire bouton touché, bouton touché. Et ça marche exactement pareil chez les mecs, hein. Je vous rassure quand même. Ça fait beaucoup de choses à lire, je pense, pour un schmuck. C'est pas que je sois moqueur, mais j'ai une petite appréhension. 1987, on est en pur 16 bits. Va falloir qu'on ait de la chance si on veut avoir plus de 16 couleurs à l'écran, je dis. C'est tendu. Notez, les amateurs, que 16 bits, ça veut pas dire 16 couleurs. Mais bon, ouais. J'y reviendrai dans un autre stream, dans une autre vie. Il est long ce film. Il est super long. Alors, je vais vous remonter le son parce que vous n'avez pas très bien entendu. Derrière, on avait une espèce de repompe de la toccata pour accompagner cette mise en bouche. Ah, la démo. Oui, regardons la démo. Alors, tu aimais Xevious à l'époque? Bah tiens, regarde, c'est le même principe. Piu 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 d'un côté, le viseur de l'autre pour tirer au sol. Ça m'a l'air super optimisé. On sent le jeu qui a été développé à partir de scripts tout faits du hebdogiciel local en Corée. Salut à toi, hebdogiciel, hein, si t'es encore vivant. Et voilà, donc c'est. Je pars déjà moqueur de ce jeu. Oui. Parce que j'ai regardé la tête qu'il avait juste avant de lancer le stream. Bah, vous allez comprendre pourquoi je veux être hilar, quoi. Ne sois pas médisant. Pas tout de suite. Attends un peu. Garde le suspense. Même pour marquer ton nom, ça va être compliqué, je pense. Ok. Ça devait charger, je pense. Alors, je pense que, tant qu'à faire, les boutons vont être un peu n'importe où sur le pad. Non. Comment ça, je suis médisant d'avance? Et pour l'instant, la mise en condition a tout pour... Oh mon Dieu, le scrolling est fluide. Le scrolling est fluide, les amis. Que se passe-t-il? Bon, les boulettes, c'est pas ça. Je pense qu'il pourra pas m'en arriver sur la gueule plus de 3 en même temps. Sinon, la rhum va planter. Ou alors le pros va se mettre à dégager de la fumée, puis des flammes. Pour la peine, je vais le one credit, celui-là. C'est fait. Ah, par derrière, on a déjà dit. Faut vraiment que je les sorte, les t-shirts. Faut dire, vous ne faites pas les gens qui demandent. Hein. Parce que entre les commentaires sur les vidéos, plus les retweets sur Twitter, on sent que vous êtes friand, mais avare quand il s'agit de vous exprimer. Tandis que moi, regardez, pendant tous ces streams, je prends quand même le soin d'argumenter. Là, pour dire que c'est une merde, je vais pas avoir besoin de beaucoup chercher, c'est très très clair.
Mais voilà, moi ça me fait penser ce jeu à un jeu qui a été fait sous. Alors je sais pas si vous vous rappelez à l'époque du ST et de l'Amiga, 87, hein, on est pile dedans. Il y avait un gars qui avait développé, alors je sais pas si c'est sorti si tôt, Shoot'em Up Creator Kit, je sais pas quoi. Où ça partait d'une très très bonne intention, c'est-à-dire bah, pour les gens qui n'y pipent que dalle en programmation, faire un soft où bah, c'est extrêmement visuel, quelques paramètres à rentrer, bon, deux, trois règles à connaître, mais vraiment basiques sur la programmation, et monsieur n'importe qui pouvait faire son propre jeu. Et c'était assez génial, quoi. Je crois que c'était un truc plus générique, hein. C'était pas un shooter créateur, c'était un truc pour créer son jeu. Et on créait ce qu'on voulait dans un environnement qui surinterprétait le code qui allait lui-même être interprété d'ailleurs, derrière. Ce qui en général donnait sur les vitesses d'exécution des choses pas terribles, terribles. Et c'est pour ça que ça m'y fait penser. Oui, j'ai été un peu long, j'aurais pu lui faire ça en deux phrases, mais vu qu'il faut que je tienne 5 minutes pour vous faire voir ce jeu. Et que j'ai pas fini de le White Credit là. D'ailleurs, je pense que je suis déjà mort une fois là. Je sais pas en fait, parce que pour me permettre de parler autant par-dessus un jeu, c'est que clairement je m'y emmerde un poil. Non, je sais pas votre avis, mais ouais, ça me semble un indice viable. Là, me donne pas une super arme parce que je vais être invincible. Là, et je vais vraiment le One Credit. Donc, on notera pour ce merveilleux jeu coréen. Une programmation tout à fait originale, optimisée, puisqu'elle peut afficher. Regardez-moi ça, toutes les boulettes à l'écran en même temps. Comment ça, je me fous de sa gueule? Oui. Effectivement, je me fous totalement de sa gueule, quoi. Donc, c'est moche, c'est pas original. Le problème, c'est que c'est jouable en plus. C'est ça, quand même, qui est paradoxal, c'est que le truc est jouable, mais il est beaucoup, beaucoup trop facile. Ça, c'est. Vous avez un mioche de 5-10 ans dans les parages, c'est exactement ce qu'il faut lui mettre entre les pognes. Il va gueuler un peu que c'est pas très beau, on sera que d'accord avec lui. Mais voilà. Donc, formidable Rome dont j'ai déjà oublié le nom, et c'est un plaisir d'ailleurs. Comment ça peut dire? Krieger, le type. On va t'appeler Cronenbourg, toi. Hein, ça... Même pas Cronenpils. Tu es une copie de quelque chose qui était déjà une copie. Assez bas de gamme. Quel suspense, dis donc. Oui, non, mais je tenais pas à y être dans ces scores. Je veux pas qu'on se rappelle que je suis passé dans ce jeu. Si ça c'est. Merde de stream. Oh, c'est foutu. Digger, au revoir. Tu vois la malle au grenier? Tu vas vite y aller. Puis toi, on va te foutre. En fait, je vais pas te mettre dans la malle. Je vais soulever la malle. Je vais te foutre dessous. Parce que j'ai vraiment plus l'intention de retomber sur toi. Adieu. Ah, je ne sais pas quand, mais plus jamais. Je vais en profiter, tiens, pour revenir en 1987, bande de petits grigous, et continuer de vous astiquer le mou, puisque vous avez remarqué cette formidable musique d'intro. Et oui, et moi en 1987, en fait, je faisais mes premières musiques sur Soundtracker, sur Amiga, et vous ne pouviez pas échapper à un nouvel extrait. On va se quitter sur cette merveilleuse mélodie. Adieu, mes amis. Elle s'appelle. Je vous dis pas le nom de comment elle s'appelle, c'est totalement ridicule. À demain, 19h.